certains D'ailleurs, je personnes. vais aller jeter Bon, un œil à je ce vais qui attendre. se passe dans cette arène. Je vais attendre. Je cherche à me faire un Il y a certain. beaucoup de personnes qui se battent, oui. Une sélection. Ah, une sélection! C'est lui, le Bon, Perceval? non, je suis avec le tournoi. Enfin, ouais, je pense le capitaine. C'est lui là? Le Perceval, je vais me faire enculer moi si je dis un truc. Ils sont beaucoup là, je suis timide. Putain de merde. Pour prévenir, on vous prépare à votre première mission, donc faites pas les cons et surtout survivez. Hein. Oui, Ah, sachez que tiens, la première Mathilde. mission d'un chevalier mage, Oh putain. dans 70% des cas, il meurt. Ça nous laisse Ce pas serait beaucoup de marge. dommage. Putain. Mais ça sert à quoi ce mec? Bon, plus après on vieillit, si vous restez vivant, ça vous met un peu en avant, Je vais quoi. faire comment moi? Légal. C'est lui là, il y a que je pouf. Hein? Vous disiez. Ciao. Les bols, ça. Allez-vous mourir? Non. Non. Ah, c'est bien ça, Ah, c'est c'est bien. Bien. super ça. Est-ce qu'on va réussir cette mission? Ouais, Oui! affirmatif. Je vais me faire bien Ça, c'est niquer bien là. ça, c'est bien ça. Bon, moi j'attends. Ne me demande pas de parole, je vais pas me faire tuer. On se croirait à l'armée, mais bon. En même temps, l'est. Bon, Vous allez. voulez un discours, capitaine, peut-être? Si je te dis quoi là? On va attendre. Surtout pas venant de toi. Garde la bouche fermée, c'était très bien comme ça. C'est Pam! quel Perceval là? Il me dit c'est un gugus, mais. Eh bien. Moi, ouais, je sais pas là. Putain, je sais pas comment faire. Bon. Ils sont longs à obtenir les aigles d'argent. S'ils ne viennent pas, tout simplement, ils ne participeront pas à la mission et vos compagnies s'occuperont de cette tâche. Oh bon. Je ne coupe Bon pas la bah parole, voilà hein. mon avis. Négatif. Il y a l'empereur mage. Je ne couperai pas la parole. Les Négatif. points aussi sont bien. Je ne suis personne. L'empereur mage est juste présent. Voilà. Je vais pas. Bien. Putain de merde. Dans ce cas, je vais commencer le topo. Inutile d'attendre plus longtemps. Je m'occuperai d'aller Très bien. discuter avec l'aigle d'argent et l'aube d'or concernant la bonne tenue de leur formation, étant donné qu'ils semblent prendre plus de temps que vous, je ne trouve pas ça tout à fait normal. Oui. Bien. Ouais, écoutons, mais. Une créature au mana très particulier a été localisée dans les bordures de Clover. Elle semble avoir pénétré la frontière et menace actuellement notre écosystème. Et très bien. Très vorace. À côté des empreintes de mana que nous avons retrouvées, se trouvaient des carcasses sans vie, de bêtes. Une faim insatiable semble animer cette créature. C'est pour cette raison que je vous demande non seulement de la prudence, mais également de la stratégie. Bon, je vais m'occuper de ce gars-là. Parfait. Bien, ne prêtez pas attention. Je vais vous demander de la stratégie. Observez, analysez. Il s'agit de votre première mission et donc de vos premiers faits d'armes. Démarquez-vous. Et ne cherchez pas à jouer au héros inutilement. Votre vie est précieuse. Me suis-je fait comprendre? Bon, Oui, cela sire. parle très clairement. Oui, sire. Très bien. L'enfant vaillant, je Excusez-moi, ne vous ai oh, pas pardon. entendu. Avez-vous compris? Oui, c'est. Oui, Affirmatif, capitaine. oui, oui. Oh, ouais. Allez, tournoi. Affirmatif. On est prêt. Affirmatif. Bien sûr. Parfait. Bien, bien. Bien. La première étape de cette mission pour vos deux compagnies va Bonjour. consister à la Je traque, cherche un certain tout simplement. Perceval. Oh putain, les trocos! Ah, excusez-moi, vous parliez. Perceval. Je vais attendre Tout un à peu. fait. La première partie de cette mission va consister en la traque de cette fameuse créature. Il va falloir que nous la localisions. Enfin, que vous la localisiez. Recherchez les traces de pas, mais également les empreintes éventuellement de mana. Cherchez à comprendre son mode de fonctionnement. Et surtout, réussissez à la trouver sans vous faire trouver. Si jamais c'est elle qui vous trouve, vous êtes fichu. Très bien. Bien. Et vous ne recevrez aucune aide, hein, bien sûr.
Tout à fait. Nous resterons totalement extérieurs. D'ailleurs, pour ma part, je ne pense pas être présent. J'ai des choses à gérer ici. Bien trop de travail. Est-ce pour bien clair? Oui. Je vais simplement vous laisser les accompagner jusqu'au bord, tout simplement, des frontières de la capitale. Ça a l'air super, je sais de bête. Que ces derniers puissent commencer à réaliser des fouilles. Vous allez vous organiser entre compagnies, créer les groupes en fonction de vos affinités, mais aussi de la nécessité. Essayez d'être au minimum 2, voire 3 mages, afin tout simplement de pouvoir ratisser des zones larges tout en restant en sécurité. Ok, ok. Bon, là... Là, ça... Même si vous avez une... Bien, vous pouvez vous mettre... Oui. Familiarisez-vous. Tout à fait, mélangez-vous. Bien, vous allez... Ah. Bien le bonjour, excusez-moi pour le retard. C'était bien long. Oh putain, ils vont répéter la même chose. En train de montrer le royaume neutre, voyez-vous. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, je suis sûr que les autres compagnies pourront vous refaire le briefing lorsqu'ils seront sur le chemin. Mettez-vous en route et rejoignez les frontières. Bon, allons-y. Vous leur ferez le briefing, capitaine. Allez, en rythme, on me suit. Et Perceval, il est où? Oui, ce serait possible d'avoir ma tenue vice-capitaine, parce que sinon je vais vraiment pas aller dedans. Excusez-moi, mon petit bon. Attendez, il est pas connu, lui. entre vous et moi, je m'appelle... Je vais pas dire comment je l'appelle, sinon je vais encore mal finir dans la forêt. Excusez-moi, je vois que vous êtes... Quoi? On cherche un certain Perceval. Non, excusez-moi, les jeunes. La jeunesse. Pardon, oui. Oui. Attendez. Oula. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, là, c'est l'enfant. C'est parce qu'on ne parle pas du monsieur en blanc. Écartez-vous d'ici, Edgy. La prochaine fois que vous êtes ici, très cher. Bonsoir, personne, je vous exécute. Bonsoir, très cher, vous allez bien. Oh, bonsoir, monsieur. Charmatif. Monsieur. Bah, on recherche des jeunes pour qui nous coupent du bois et de la pierre. Voyez-vous? Oh, alors là, on a plus l'énergie pour. Oui. Ça va être bien sûr d'une petite récompense. Du coup, j'en ai rien demandé. C'est pour nous envoyer 2-3 personnes pour nous couper du bois. Effectivement, cela pourrait être possible après, pourquoi pas, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas. L'empereur mage nous a disposé une mission. J'ai pas très bien suivi. Mais ils ont parlé très vite là. Oui, je vous souhaite. Je trouvais que l'empereur mage, quel honneur. Oh là là, quel honneur. Au final, on a quand même perdu Perceval là. Monsieur. On a l'occasion de couper du bois. Mais il va être encore lui. Pardon, il m'a dit quoi? Mais que faut-il faire? Je n'ai pas très bien. Je ne sais pas, il est parti où l'autre capitaine? Voilà, je suis plus que perdu là. 3 personnes qui semblent tout simplement avoir besoin d'aide. Mais parce que vous allez avoir une belle rémunération en échange. Mais moi je vais devenir chevalier mage. Oh, tout à fait. Mais c'est trop tard. C'est pas grave, mais du coup, on m'a dit, j'étais recommandé par monsieur Perceval. Moi je cherche monsieur Perceval depuis tout à l'heure. Eh bien, vous allez travailler pour lui et à son retour, vous levez. Allez. Tout simplement. Eh bien, s'il te plaît. Monsieur Blanc est... Bonjour. Soyez respectueux avec ces personnes, s'il vous plaît. Doucement, les gars. Merci. Vous savez très bien, Avec les quoi? Je me retrouve bûcheron, là. Venez. Attention. Vous êtes les jeunes diables de Clover. Les pardon? Attendez, excusez-moi, vous êtes qui? Que je sache à qui je parle. Nous. Nous sommes des personnes importantes ici. Ça se voit pas, c'est des bûcherons. Nous avons pas ce que font les clovers. Bon, écoutez-nous, là, j'ai pas trop le temps, je suis désolé. N'existerait pas. Mais, écoutez, on vous a appelé pour couper du bois et de la pierre. Et nous donner, en échange, on vous donne un petit sac de pièces. Vous voyez on va se diriger vers la sortie de l'enceinte. Et après, allons chercher du bois. Voilà. Affirmatif. Je vais y aller parce que l'homme blanc l'a dit, mais sinon je le ferai pas. C'est par là-bas. Je me rappelle, c'est par là-bas. Comment ça, l'homme blanc? C'est où la sortie? Bah, l'homme qui a des cheveux blancs là! C'est ça, l'homme blanc? Ah oui, bien sûr. Il paraît qu'il est important, donc je l'obéis parce que après je passerai pas chevalier mage. Je vous suis, j'attends, c'est vous le supérieur de ce qu'il a dit. Bah, on a perdu votre ami, bah, c'est pas grave, ouais. Bah, je me retrouve comme un con, ouais. Putain de merde!
Oh là 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 là. Je me... Oh, ils sont encore en train de construire un truc, c'est pas possible. Hein. Oh, Shintaro, oh, si. Un tribunal. Shintaro. Oh. Non, non, c'est non, non. Mika, n'oublie pas, nous devons faire sonner le tocsin aussi. Oh, en tribunal. Tout le monde, est, tout monde y passe et nous, on va bien se faire niquer. Encore un vendeur en plein milieu de la rue. Regarde, encore un manque de respect, quoi. Un vendeur dans l'air, lui. Quoi. Oh, là. Oh, mais non, mais. Oh putain. Moi, bon, j'attends. Putain. Même pas beaucoup de marchés sur mes cheveux. Vous avez cru que j'allais prendre des feuilles d'ortie et vous les mettre sur la tête pour vous tailler les cheveux verts. Non, mais quoi, un manque de respect. J'espère que. Connais cette forêt comme. Faites attention, il paraît qu'il y a une bête bizarre qui traîne, à ce que j'ai entendu. Voilà, la bête c'est moi. C'est moi, c'est la chasse. Et vous savez, moi je suis paysan, donc je chassais le sanglier quand j'étais petit. Bon, bah viré chez moi. Pourquoi vous entraînez des sangliers? Ah moi, ah c'est. Mais moi, vous connaissez le certain Perceval parce que plus tard je le cherche. Ah, oh, Perceval, comment allez-vous? Bonsoir. Salutations. Bonsoir. Vous êtes Monsieur Perceval? Non. Eh bien bonjour. C'est impossible, c'est un SDF, ça se voit. Mais taisez-vous, je le cherche depuis... Bon, les jeunes, venez. Allez, vous allez couper du bois pour nous, oubliez pas. Monsieur Ventus m'a recommandé à vous. Je suis pour l'instant pris par ces messieurs, mais j'arriverai un jour. Outil, quand même, j'espère. Vous avez de la chance que l'homme blanc vous protège. Alors, je vous donne, pour couper le bois, bien sûr, je vous donne un bâton coupé. Bah, vous débrouillez, hein, mais faut que l'arbre soit coupé. Oh putain. Affirmatif. Il est pas encore arrivé. Je mets mes dents s'il faut. Putain. Parce que comment ils vont couper? Alors, attends, je lui donne un bâton avec un caillou, là. Ah, c'est super. Oh, bon, voilà. Hein. Il est solide, ne t'inquiète pas. C'est tout ce qu'on a. Eh ben c'est super, on va aller loin avec ça. C'est super. Voilà. Ouais, un caillou. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a la magie, fait tout. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Ouh. J'ai le caillou dans la main. Oh putain. Oh, oui, tout à fait. Bon, allons-y. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Allez, couvrez-vous. Oh, il y a l'autre qui bouge plus là. Attends. Qui t'a dit l'empereur Ouais, à partir d'ici, je sais plus où c'est. Mais je suis avec quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Il t'a dit, quand ça fait moins d'un mètre carré. Oui, il m'a dit la ville où vous serez chopé. Qu'est-ce qui. Oh là là là. Bon, écoutez, Attendez, je réfléchis un peu. Je crois que c'est là-bas. Je crois que c'est là-bas. Où c'est là-bas? Oula, attends. Golo, tu penses que c'est où? Je peux en éclaireur. Attends, alors. On va là-bas. J'ai des doutes. Va quelque part, je rends l'éclaireur. Allez, petit monsieur, on doit y aller. Allez, vous allez où vous. Oui. Ouais. Oh, super. Ah, c'est bon. Je pars en éclaireur si vous voulez. Non, on reste groupé. Parce que nous, on est des très grands mains, ne vous inquiétez pas, on vous protège, c'est ce qu'on a promis en premier, on vous protège. C'est beaucoup. Faut que je réfléchisse un peu, je vais le trouver. Je vais m'en souvenir. Réfléchis. Je crois que c'était un petit village un peu abandonné. Grand mage, dis pas grand cerveau. Je crois que c'était là-bas. Bon, allons-y là-bas. Oh là là, c'est la magie ça, regardez comment je suis fort, je soulève l'arbre. Oh putain. Oula. Vous êtes fort, ça se voit ça, vous êtes fort là. Mais dis donc. C'est la magie, vous inquiétez pas. Là-bas, ils attaquent. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être Odinus qui a fait ça. Oui, c'est ça, c'est Odinus. Bon, il manque quelqu'un là. Il en manque deux. Il manque un de vos collègues et l'autre. Il manque deux même. Oh là là là. Qu'est-ce qu'ils font? Oula. Alors. Attendez, petite pause, je bois de l'eau. Petite pause, je bois de l'eau. Oh putain. Ouais, c'est mal parti. Alors, ma carte, elle indique qu'il faut trouver. Il y a marqué ça sur ma carte. Ah oui, d'accord. Oui, il faut quoi trouver. Et il parle de trucs bizarres, hein. J'ai entendu qu'il brûlait des gens. C'est bien. Il parle de brûler des sangliers. Oh, venez, sinon Rimus il va se perdre. Bah, qu'il se perde pas, votre un petit Rebus là. Qu'est-ce qu'il fait?
avec des cinglés là. Communiquez avec l'arbre. Communique. C'est pas là-bas. Vous communiquez avec l'arbre, bah très bien. C'est quoi ça, regardez, y'a un truc qui bouge à gauche. C'est rien ça. Ou c'est moi qui est fou? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être dans un rêve, tellement ça paraît irréel. Vous êtes jamais venu ici? Non, non, mais j'ai un peu... Pas me faire voir... Je vais rien dire, mais... Bon, j'espère pas, on va se retrouver à un endroit dangereux. Hein. Bon, Rimus, si tu es sûr, on te suit. Hein. Allez, oh, oui, bien sûr. Trouver, hein. De toute façon, nous sommes les plus forts, si t'arrives un truc. Ah, bah, trouvé, voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, ça. Il a sauté. Non, revenez. Les jeunes, ah, restez. Alors, on y va. Mais, on va se... mais je vais me casser les jambes. Ah, y'a pas moyen. Hein. Plus logique. Votre collègue là. J'ai fait le tour. Oh, mais il est là. Ah, c'est pas lui. Bon, venez. Les jambes. Bah, alors, voilà. Vous voyez ces bouts de bois? Oui. Vous tapez avec votre bâton. Mais. S'il vous plaît. Mais je vais faire quoi avec mon bâton avec ça? En fait, vous tapez bien. Vous tapez bien avec ça, okay. Vous tapez bien. Oh. Il faut votre force. Putain. Et là, je me retrouve le petit bout de bois, s'il vous plaît. Je me retrouve à couper du bois là. Qu'est-ce que c'est que cette bordel? C'est bon, ouais. Allez, apprenti chevalier mage à bûcher.